Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45. Comment allez-vous les amis? Moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de notre incroyable aventure sur Spider-Man 2, évidemment, avec l'épisode combien? J'aimerais vous entendre, bien sûr. Vous l'avez compris, l'épisode 3. N'oubliez pas, évidemment, le j'aime et le petit commentaire. Ça fait toujours extrêmement plaisir. Installez-vous confortablement. Profitez de la 4K 60 FPS parce que je peux vous dire que la qualité du soft est juste incroyable. J'ai pas souvenir que cette route y était. Elle me choque un peu. J'ai vraiment pas souvenir que cette route y était. Est-ce que je me trompe? Une sorte, on va pas appeler ça une autoroute, hein, je sais pas exactement comment ça s'appelle. Mais ça me dit rien. C'est pas ce qu'on appelle. Peut-être la skyline, non, un truc comme ça. Je sais plus. Mais en tout cas, yeah, j'avais pas souvenir qu'elle y était. Alors, les amis, on a notre objectif principal, vous l'aurez compris. Hop, juste à gauche, mais c'est pas ça qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est encore ces garnements, évidemment. Ah bah, les amis, Manhattan, c'est bien connu, hein. J'ai fait un voyage à New York il y a pas si longtemps que ça. J'avais eu quelques vlogs sur la chaîne principale. Ouais, je peux vous dire que j'ai vécu à peu près la même chose. Ok, hey, qu'est-ce qui se passe? C'était criminel, cela? Alors, ou est-ce que c'est les miens? Ça, je sais pas ce qui se passe. Oh, il y a encore Miles Morales. Incroyable. Ok. Ok. Allez, toi, t'es mort, mon pote. Et toi? Et toi, t'es mort. Et ben voilà. Qu'est-ce qui se passe, les gars? Il y a embrouille ou quoi? Il y a le tige. Il va falloir que j'y aille. Mais merci du coup de main. Pas de soucis. Allez, de Spider-Man, c'est quand même la classe pour New York. Hein. Allez, dégage, je vais plus boire. Waouh! Il s'en va toujours avec style et moi, je peux pas faire pareil. Bon! Les amis, point de compétence, on vient d'en avoir à l'instant, donc on va en profiter, vous l'aurez compris. Hop, on débloque le tout premier truc, L1, triangle, foncer sur un ennemi et le propulser en l'air. Ok, bon, direction, vous l'aurez compris. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, je ne comprends pas. Attendez, qu'est-ce que c'est que ça? D'accord. Pas si impressionnant que ça, quand on y pense. Hop, attendez. Attendez. Oh, regardez-moi ça, les gars. Sujet trop long. Ah, chez nous, vous savez, la tradition passe avant tout. Mais ça veut pas dire qu'on n'est pas ouvert à un peu de nouveauté de temps en temps. Ok. Pas mal. Alors, la photo est réussie, et il faut la publier, hein. Allez, ça c'est pas mal ça. Ça me plaît bien, Chacal. Oh, fantastique. Bon, j'avoue, la première fois que j'y allais, c'est à cause des articles sur ses nouveaux parfums. Mais c'est pour son houmous traditionnel que j'y suis retourné. C'est pas pour rien que certaines recettes sont devenues des classiques avec le temps. Ok, ça parle de houmous là, on en est là? C'est normal, c'était sûrement un restaurant très bien coté. Allez, on est party. Let's go pour la suite de notre aventure. Toujours commencer une vidéo par un petit crime, ça fait toujours plaisir. Oh! Incroyable! Vous avez reçu un jeton de la ville. Vous pouvez acheter de nouvelles tenues en utilisant vos jetons de la ville, vos pièces high-tech ou d'autres ressources, vous l'aurez compris. Vous pouvez également fabriquer de nouveaux styles pour vos tenues, fabriquer les styles pour la tenue avancée 2.0. Waouh! Mais ça sert à quoi? Les tenues disposant de styles possèdent 3 styles alternatifs, en plus de l'original. Donc je dois sélectionner. Ah, celui-là, je suis désolé, il est giga stylé, hein. Ok. D'accord, c'est pour changer les couleurs. Ça, c'est le Spider-Man premier du nom. Celui-là, il est stylé. Scarlet Spider-Man. Tenue avancée. Ok. Bon, écoutez, on va prendre ce skin, ça fait plaisir. Salut, MJ. Hey, je vais chez toi pour déposer un truc. La porte de derrière est déverrouillée. Je sais pas. Je suis parti en urgence ce matin, mais je te retrouve là-bas. Oh la fluidité. Ok, cool. Qu'il est beau, le jeu. Vous êtes bien à l'école, Miles, c'est toi? Waouh. Ouais, ouais. Pas simple ce premier jour. J'espère que ça ira mieux demain. Ça fait aucun doute. Je te rejoins tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a de pire que de se faire virer? Annoncer à sa copine qu'on s'est fait virer. C'est impressionnant, le... C'est la beauté du sort, je pète un câble, je pète mon crâne, vraiment. Ok, y'a quoi, y'a embrouille ici, les gars? Bien sûr qu'il y a embrouille, allez.
très vite ce qui se passe quand il y a embrouille. Je sais même pas par où commencer. Ok. Toi, dégage. Ok, toi. Ça, c'est finito. Et vous, toi mon frère. Vous voulez pas me faciliter la tâche, hein? Vache, j'ai pris ma part, c'est normal, c'est mérité. J'aurais dû esquiver. Ok. À toi. Allez. Oh le con. Là on a eu chaud. Bon, bonne chose de faite, encore un nouveau cristal. On va peut-être en découvrir un petit peu plus, ça peut plaisir. Normalement, il n'y aura plus de sable dorénavant ici, vous l'aurez compris. Peut-être que je deviens complètement fou. Mais où que j'aille, je les vois. Au travail, à l'épicerie, au parc. Ils nous suivent à la trace. Marco s'est fait de nombreux ennemis. Peut-être que son passé a fini par le rattraper. Ok. Allez, on a un crime qui m'appelle. Qu'est-ce que c'est ? Ok. J'ai un crime qui m'appelle, j'ai dit. Ça sent ce couple se fait attaquer. Il faut faire vite. Ok. Viens, on va jeter un œil. Spider-Man, c'est mort. Vous m'en voudrez pas si je vous interromps. Ok. Ça. C'est fini. Exterminé. Aïe! Il a une belle patate, hein. Il a eu l'honneur. Aïe! Il a eu l'honneur de taper deux fois de suite Spider-Man. Ok, ça c'est beau. Prochain arrêt, la prison. Ça va mon frère. Je savais pas que t'étais aussi rapide. Raconte pas ta vie, on s'en bat les couilles, ok? Allez, on se brûle. Alors, prochain arrêt, la prison. J'espère rien qu'il vaille. J'avais pas souvenir qu'il y avait cette banlieue et tout. Hein. Il y avait Central Park, mais j'ai. Je crois que ça, c'est une nouvelle partie hein, qui n'est pas dans le 1. Wow! Ça roulait vraiment mal. L'homme sable a mis une sacrée pagaille. T'as l'air de te débrouiller comme une chef? C'est assez pratique en ville. Mais je crois que la moto, c'est pas mon style. Moi, je trouve que si. Qu'est-ce qu'il y a? Je me suis fait virer. Oh. T'étais tellement content d'avoir ce poste. Ouais, je sais. J'avais planifié tout mon trimestre. On allait faire voler un hélico en utilisant des pommes de terre. Je suis désolée. Et on risque d'être deux à chercher du travail. Ah, John a fait le ménage, ça y est. C'est tout comme. Il a mis en place une méritocratie radicale. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui ne feront pas de une dans la semaine seront virés. Dans ce cas, ça devrait aller, parce que... Tu es leur meilleur journaliste. Y'a quoi là-dedans? Un tas de livres invendus. Je commence à manquer de place chez moi. Mais t'as eu de super critiques. J'en ai écoulé 14. Personne ne s'intéresse à la Simcari. Le Bugle est le plus gros journal de la ville, là je peux avoir un impact. Mais si je perds mon job, je sais pas ce que je vais devenir. Et est-ce que t'as vraiment besoin du Bugle pour vivre ta passion? J'ai tenté de me faire connaître par d'autres moyens et 14 exemplaires. Du coup, je dois faire bouger les choses de l'intérieur. J'ai pas eu le temps de faire le ménage. Je mets ça au fond ? Ouais.
D'ailleurs, je viens de me rappeler... Je vais juste faire un peu de rangement. ...que dans l'épisode précédent, j'avais dit le Weasel News. Évidemment, ça c'est dans GTA, je suis totalement matrixé, excusez-moi. C'est le Bugle News. Mais on y était presque, on y était presque. Allez, inspectez les papiers, qu'est-ce que ça peut être j'aime pas ce qui va se passer là. Peter Parker, avis d'échéance d'hypothèque montant du 4 764 $. Eh, vas-y les frères, reste à payer 500 000 $. Non mais les gars, en mais Amérique, c'est à vie ou quoi l'endettement là? Le fils ne coule pas. Et moi, je bois la tasse. Aïe 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 aïe. C'est terrible. Ah. Ok. On va aller checker ça à gauche à droite alors. Y a pas de souci. Je meurs d'envie de jouer à ce truc. Il faut juste que je libère du temps. Ok. Speed Nonagon. Très bien. Y'a rien derrière? J'ai rien loupé? Évidemment que non, j'ai rien loupé. Très très bien. C'est beau, hein. Waouh. Le jeu, vraiment, il met des claques. Hein. Mettez en 4K 60, hein. Je ne cesserai de le dire. Dis, t'as un peu réfléchi à cette histoire d'emménagement? On en a déjà parlé. Je peux pas m'éloigner du centre, c'est là que tout se passe. Mais pense à tous les dîners romantiques qu'on pourrait faire ici. Mais c'était quand, la dernière fois que t'as dîné à la maison? Bon argument. Ok, petite salade de fruits là, qu'est-ce que c'est que ça? Attends, c'est moi, il y a une calette de Red Bulls? Non, c'est une bière. Peter Parker est un putain d'alcoolique. C'est dommage que tes cours n'aient pas marché. Tu vas faire quoi maintenant? Je sais pas trop. Franchement, je voudrais pouvoir me déconnecter un peu. Mais je peux pas vraiment me le permettre. Ben, tu pourrais vendre la maison. Je peux pas. Enfin, je pourrais, mais... je peux pas. Eh les gars, je suis Spider-Man, je suis pas une salope. Je veux bien payer l'hypothèque. Non, non, je peux pas te laisser faire ça. En plus, t'as dit que Jonah risque de réduire les effectifs. Je vais pas le laisser me tirer. Je sais combien cette maison compte pour toi. On va trouver une solution. Je te mérite pas. Il y a toujours du rangement à faire en bas. Mon sens de l'araignée, il est pas super pratique pour faire le ménage, hein, putain. Excusez-moi. Salut, poupée. Est-ce que tout ça est à mai? Ouais, j'ai l'intention de les donner, mais... pas tout de suite. Qu'est-ce que tu regardes? Des vieilles photos de toi trop chou. Ça fait longtemps que je les ai pas vues. Ok. Je crois que c'était dans ma chambre, ça. Pourquoi elle a pris ça en photo? Balance. Qu'est-ce qu'elle voulait dire? Je me demande si c'est toujours là. Équilibre. Je vais aller jeter un coup d'œil. Ok. Tiens-moi au courant de ce que tu trouves. Je vais continuer à regarder. Se rendre dans la pièce où la photo a été prise. Oh, regardez ce qu'on a là. T'en fais pas, mais... je vais perpétuer ta recette de galettes. Allez, c'est parti, les amis. C'est parti, c'est parti. Ah, mais c'était juste en haut. Ok. Dans le premier du nom, on n'est pas venu ici, il me semble. Hein. C'est bizarre si je rentre dans toutes les chambres comme ça, là, non? Pour quelqu'un qui a toujours habité là. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce qu'il était, ce trou? Il était derrière le poster, c'est évident. C'est évident, Peter Parker! Mais... ok. Avec tes lunettes énormes. Quand le pauvre clébard... hein. Oncle Ben? Quelle classe! Attends, les photos, elles sont cringe, hein, ça fait bizarre. Hein. Non, mais cette photo-là, ça fait très bizarre. Hein. On dirait le Joker, là, mon frère. Hein. Ok. C'est derrière le poster, vous savez. Pas du tout. Je suis un putain de mytho. C'est derrière ce tableau. Spider-Man, est-il une menace ou un danger public? Votre standard est ouvert. Une menace, une bonne grosse menace, ce taré. Je vais vous dire un truc, soi-disant super-héros. Il n'est ni super, ni un héros. Alors... c'est quoi, un imposteur? Un égocentrique? C'est n'importe quoi! Ce qui a fait ce bruit? Quel bruit? Oh, Peter. Oh, j'ai
J'ai cru entendre un rat dans le mur. Peter, qu'y a-t-il ? Quelque chose ne va pas ? C'est rien. J'ai juste... Quand j'avais ton âge, j'étais chef du club d'éloquence. Capitaine de l'équipe de foot féminine et deuxième violon de l'orchestre. Tous les ans, je voulais avoir une nouvelle corde à mon arc. Mais quand, en plus, j'ai voulu me hisser au tableau d'honneur, je me suis plantée. Au lieu d'être douée pour plein de choses, je ne réussissais rien. Alors, j'ai levé le pied. La recherche de l'équilibre est un marathon. Ce n'est pas un sprint. Et je m'entraîne encore. Allez. Vas-y, à ton tour. Mais elle avait peut-être raison. Je peux pas trop me charger. Il faut lâcher du lest. Ok. Je vais retourner voir MJ. Alors, je rappelle qu'évidemment, dans le remastered de Spider-Man qui était sorti sur PlayStation 4, ils avaient refait le visage de Peter Parker pour celui-ci, pour qu'il se rapproche un peu plus des Spider-Man de Sony, etc., etc. Donc, forcément... Moi, j'avais fait le let's play à l'époque où ça venait de sortir sur PS4. On a eu l'ancien Peter Parker. Mais voilà, ce n'est pas... C'est une suite, d'accord ? Ce n'est pas un autre Spider-Man ou autre. C'est une suite. C'est le même Peter Parker. C'est juste qu'ils avaient fait un reskin dans le Remastered pour un peu plus coller... Ça rend bien des bougies ici. Au film de Sony. Ça se fait des bougies dans les salles de bain, non ? Bon, allez. J'ai reçu un tuyau. Le Raft envoie des détenus à Ravencroft demain, pour une évaluation. Tu sais lesquels ? Non, mais je vais vite le savoir. Oh ! Oh ! MJ ! Oh, Rick ! Les médecins m'ont dit d'y aller mollo sur les câlins. Désolée. Harry ! Tu m'as manqué. Toi aussi, mon pote. J'ai appris pour May. Je suis désolé. Et comment c'était... l'Europe ? En fait, j'étais soigné en isolement ici à New York, mais je voulais pas que vous soyez inquiet. T'as la même chose que ta mère ? J'avais. À l'imparfait. Je suis... en rémission, apparemment. Harry, t'es... J'arrive pas à y croire. T'as l'air bien. Je me sens super bien. Oh, il faut que j'aille au boulot. On se fait un truc demain ? Coney Island, comme au bon vieux temps. Ça marche. C'est nouveau, ça ? Ouais, c'est un loisir qu'elle a découvert en cimetière. Désolé d'être passé sans prévenir. Quoi ? Tu rigoles ? Tu veux entrer ? En fait, j'espérais que t'aurais le temps de faire un tour avec moi. Carrément ? Ah, c'est ouf que la Harry Mobile soit encore en service. Je pensais plutôt à se refaire une balade comme au bon vieux temps. Attends, c'est ma vieille bécane ? Non, j'ai trouvé sur Internet. Mais c'est à s'y méprendre. Ouais, grave. Hé, hey, y a même les autocollants et tout ! T'es sûr que c'est pas mon vélo ? Vrai ? Ouais, on va où ? Tu verras. Allez, me perds pas de vue. T'es sûr que ça va aller ? Ok. Oh ouais, je pète la forme. J'ai pris la canne pour me rassurer, mais j'en ai pas vraiment besoin. T'as plus d'énergie que moi au final. Harry, il écarte bien. Alors, les jambes quand même, hein, quand il pédale. Qu'est-ce là, qui t'a autant occupé ? Surtout,
de la suppléance entre deux licenciements. Et puis, je suis le tuteur d'un lycéen. Il est unique. Le vénard. Regardez les gars, la transparence sans sur toi, les oreilles avec le soleil. Rien compris, Omar. Non mais c'est pas incroyable. J'ai lu des trucs sur l'oreille gauche. Mettez en arrière si vous avez pas vu. Là, regardez, regardez. On voit la transparence à travers la finesse de la peau, de l'oreille. J'aurais non, c'est incroyable, les gars. Vraiment, c'est incroyable. Harry, pourquoi tu m'as pas dit que t'étais malade? Je serais venu immédiatement. Le spectacle t'aurait pas plu. Mon traitement était atroce. Je flottais dans une cuve remplie d'agents actifs. Ça m'a filé des cauchemars horribles. Une cuve? Wow. Un truc expérimental. C'est... extrême. Je suis vraiment désolé, Harry. Attends, on est à Midtown High? C'est ça notre destination, en fait? Je peux ni confirmer, ni infirmer. Ah, il m'a trouvé un job ou quoi? On dirait que cet endroit n'a pas du tout changé en 10 ans. Oh oh. Merci. Suis-moi. Pourquoi tu nous ramènes là? On détestait le lycée. Tu te rappelles la fois où Flash et ses potes m'ont bousculé et ont détruit mon ordi? Notre exposé était dedans. Oui, pour le concours des jeunes entrepreneurs. On avait passé des mois là-dessus. Et la présentation avait lieu le lendemain? C'est ça, et j'avais une copie sur une clé USB. Mais elle était dans ton casier. On a appelé l'école, on les a suppliés de nous ouvrir. Mais ils ont refusé, et il était super tard. On était tellement en panique qu'on a fait le tour de l'école à essayer toutes les portes. Jusqu'à ce que... on tombe sur celle-là. Attends, qu'est-ce que tu... Il fallait jouer avec la poignée. On y va? La voie est libre. Viens. Ok. T'es sûr que la clé est là-haut dans ton casier? On est de retour dans le passé, vous l'aurez compris. T'es sûr? J'étais sûr. Enfin, je le suis. Mais pourquoi tu reposes la question? Et le prochain à la batte, l'étoile montante, le numéro 12. Attends. Eric Bonaccelli. C'est Eric Labourique. Qu'est-ce qu'il fait là un vendredi soir? Bah, il écoute le match. Ahurissant. Montre-nous pourquoi t'es le rookie du mois, gamin. Tu vas faire partie des plus grands, c'est sûr. Ramène-toi, on fonce. Non, on va se faire griller. Ce petit gars a l'étoffe des champions. Et je peux vous dire qu'on va en entendre parler dans les années. Vise quelque chose de bruyant. L'approche de la face. Le son. Non, trop salissant. Que les joueurs soient au rendez-vous. Flash, attention, plaquage imminent. Oui. Super. Viens. Les criminels font comme ça. Du coup, je suis un criminel? Eh, j'ai oublié de te dire, j'ai montré notre exposé à ma mère. Elle a trouvé ça vachement bien. Elle avait une critique quand même. Le nom. Elle aurait préféré guérir le monde. Oh, sérieux, c'est parfait. Ouais. Quand on sera arrivé à l'étage, ton casier sera pas loin, hein. Cache-toi. Il nous a vus. Est-ce que vous pensez que dans les écoles américaines, il y a vraiment des gardiens et tout, lampes torches et qui tombent toute la nuit? Eh, hey, qui est là? Ça va mal, ça va mal. Allez. Petit merdeux. Oh, je vois qu'on a affaire à des petits farceurs, hein? J'aurais bien besoin de recharger mes lance-toiles. Une minute. Je dois avoir des réserves de fluide au labo photo. Hein? C'est encore un peu nouveau. Il faut que je m'améliore encore sur le développement. Ok. Ah, je me souviens, je crois qu'il y avait quelques énigmes qui étaient super cool en plus. Bon, Bibi, labo photo. Labo photo, gymnase, gymnase, casier. Facile. La voie est libre. En avant. C'était quoi ça? C'est mort. Oh.
Oh, j'aurais vraiment dû sauvegarder une copie du projet en ligne. C'est forcément un gamin. Le fantôme de Mika. Les aérations. Le royaume des araignées. Ok. Ok. Où j'ai rangé mon fluide de toile? Bon, je suppose pas ici, c'est une photo. J'avoue, elle a un petit côté. Oh, c'est vrai, la tour des Avengers. J'avais oublié, putain. J'avais oublié. On pourra aller la voir dans le jeu d'ailleurs. Je sais que je les ai rangés quelque part par ici. Ah, trouvé. T'arrête pas, t'arrête pas. Ok. Maintenant, faire le pont des anges. Salut, toi. Ok. Il faut vraiment que je trouve un moyen d'augmenter la capacité de ces machins pour pas me retrouver à sec. Bon, je vais rejoindre Harry au gymnase. J'espère que ça sent bon cette histoire. Mon vieux sac à dos! J'avais oublié qu'il était là! Incroyable. Je devrais commencer à prendre des notes, moi. Il sera toujours dans mes pattes, lui. Je dois détourner son attention pour sortir. Et qu'est-ce que c'est? Attention, je vais taper un sprint. J'ai déconné un peu, mais ça va. Hop, reste faible. Arrête de courir maintenant. Putain, mais c'est... C'est Resident Evil, frère. C'est le plus grand forceur de l'année, lui. Déjà au gymnase. Je dois faire vite. Rick, là pour Rick. On va voir. Il faut que je l'éloigne de cette porte. Inverser la vapeur. Retrouver le niveau de jeu auquel cette équipe nous a habitués. Vraiment désolé pour tout ce bazar. Ok. Voilà. Qu'on vienne pas me dire qu'il n'y a pas de fantôme. Pas de fantôme. Juste une araignée. Ils ont l'air bien rouillés aujourd'hui. La vache, je croyais qu'il t'avait eu. Il faut qu'on chope cette clé et qu'on se tire d'ici. On passe par le gymnase. D'accord. Il y a tout qui me revient. On n'avait pas froid aux yeux. Cet endroit est resté le même, mais sans le garde qui nous poursuit. Du coup, on a le temps de se faire quelques paniers. T'es sûr d'être assez en forme? Je te retourne la question. Vas-y, espèce de frimeur. Un peu rouillé, ça fait rien. À toi. Ok. Easy. Bien visé. Je suis vraiment trop content que t'ailles mieux. Sincèrement. Merci. Au fait, j'ai pas vu comment t'as transformé la maison de May. J'ai encore rien fait. J'étais occupé et... Je sais pas. Ça me fait bizarre d'y toucher. Je comprends. Ça a vraiment pas dû être facile. Te presse pas. Ok. En avant. Ok, très bien. En tout cas, MJ t'aidera pour la déco quand elle s'installera. Je sais pas trop. C'est pas son truc. Je sais pas si elle voudra me rejoindre. Oh. Bah... Ça a l'air de bien aller entre vous. Elle était devant chez toi. On verra bien. Comme toujours, avec le temps. Ça va être chaud. Pas grave. La prochaine fois, c'est quoi le score? Alors là, aucune idée. Moi non plus. Si, si, j'étais en train de te fumer. J'en avais bien besoin. Moi aussi. Mais... C'est pas terminé.
Ah, je connais ce regard. Qu'est-ce que tu manigances? Tu saurais retrouver ton ancien casier? Tu crois qu'il est passé où, ce gardien? Sûrement dans le bâtiment ouest. Alors on chope la clé USB dans ton casier et on se casse. Et on va s'arrêter là. N'oubliez pas le j'aime et le commentaire et on se retrouve avec l'épisode 4 pour la suite de notre aventure et direction le casier. Bisous tout le monde. Bye bye.